Bonjour, le verbe à conjuguer est coupé et vous avez 5 secondes par conjugaison. Prêt? Et c'est parti! Conjuguez le verbe couper au conditionnel présent à la troisième personne singulier. La réponse est il couperait. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au présent d'un indicatif à la troisième personne du pluriel. La réponse est il coupe. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper à l'impératif présent à la deuxième personne singulier. La réponse est coupe. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper à l'imparfait à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous coupiez. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au passé simple à la première personne singulier. La réponse est je coupais. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au subjonctif présent à la deuxième personne singulier. La réponse est que tu coupes. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au présent de l'indicatif à la première personne singulier. La réponse est je coupe. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au conditionnel présent à la première personne du pluriel. La réponse est nous couperions. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au passé simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils coupèrent. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper à l'imparfait à la première personne du pluriel. La réponse est nous coupions. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est vous couperiez. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au subjonctif présent à la première personne du pluriel. La réponse est que nous coupions. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au futur simple à la deuxième personne singulier. La réponse est tu couperas. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper à l'imparfait à la troisième personne du pluriel. La réponse est il coupait. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au présent de l'indicatif à la deuxième personne singulier. La réponse est tu coupes. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au subjonctif présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est qu'il coupe. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper à l'impératif présent à la première personne du pluriel. La réponse est coupons. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au subjonctif présent à la première personne singulier. La réponse est que je coupe. Passons au verbe suivant.
conjuguez le verbe couper au futur simple à la première personne singulier. La réponse est « je couperai ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper à l'imparfait à la première personne singulier. La réponse est « je coupais ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au conditionnel présent à la deuxième personne singulier. La réponse est « tu couperais ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au futur simple à la troisième personne singulier. La réponse est « il coupera ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. La réponse est « nous coupons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au conditionnel présent à la troisième personne du pluriel. La réponse est « il couperait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au subjonctif présent à la troisième personne singulier. La réponse est qu'il coupe. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au présent de l'indicatif à la troisième personne singulier. La réponse est il coupe. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au participe présent. La réponse est coupant. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper à l'imparfait à la deuxième personne singulier. La réponse est tu coupais. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au passé simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous coupâtes ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au présent d'un indicatif à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous coupez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au futur simple à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « vous couperez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au subjonctif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « que vous coupiez ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au futur simple à la première personne du pluriel. La réponse est « nous couperons ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » à l'imparfait à la troisième personne singulier. La réponse est « il coupait ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au passé simple à la troisième personne singulier. La réponse est « il coupa ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » au conditionnel présent à la première personne singulier. La réponse est « je couperai ». Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe « couper » à l'impératif présent à la deuxième personne du pluriel. La réponse est « couper ».
Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au passé simple à la deuxième personne singulier. La réponse est tu coupas. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au futur simple à la troisième personne du pluriel. La réponse est ils couperont. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au participe passé. La réponse est ayant coupé. Passons au verbe suivant. Conjuguez le verbe couper au passé simple à la première personne du pluriel. La réponse est nous coupâmes. Et c'est ce qui termine l'activité pratique. Je souhaite que cette vidéo ait pu vous aider dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres activités qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!